Let me first, Mr. President, tout d'abord, Monsieur le Président, tell a few things about your extremely laissez-moi interesting, raconter career. Quelque chose. Enfin, laissez-moi parler un peu de votre carrière, ô combien intéressante vous étiez étudiant Moscow, à Moscou. Pardon, en Ukraine, en Ukraine, pardon. En Union soviétique, au temps de l'Union soviétique, à l'époque de M. Gorbatchev. Donc c'était une période très intéressante. Je suis sûr, en tant qu'étudiant en Arabie saoudite. Et votre domaine, c'était le journalisme militaire. Et vous avez donc pu observer les dernières années du régime communiste à partir de l'intérieur. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, vous êtes devenu un acteur politique avec une expérience en journalisme. Et donc, vous avez été président pendant 12 ans, 4, non, pardon, vous avez occupé la scène politique pendant 12 ans, 8 ans en tant que président et 4 ans en tant que premier ministre. Donc, vous avez servi deux mandats en tant que président et je comprends que votre carrière politique n'est pas forcément finie. Pendant ces années, vous avez développé une politique étrangère très intéressante dont on va discuter sous peu. Mais je voudrais commencer en vous demandant de dire quelques mots sur la situation économique en Mongolie, car il n'y a pas si longtemps, la Mongolie était considérée comme étant vraiment un pays émergent, un pays florissant. Et ensuite, donc, il y a eu la crise et la situation est bien sûr légèrement différente aujourd'hui. Donc, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la situation actuelle et sur la situation future de l'économie mongole ? Avant de passer à d'autres sujets. Oui, alors je pense que c'est une très bonne plateforme que cette World Policy Conference et je suis très reconnaissant. Je vous suis très reconnaissant à vous et à votre équipe d'avoir organisé cette conférence et je suis vraiment reconnaissant également à nos hôtes, le gouvernement du Maroc. Hier, c'était une soirée merveilleuse. Alors la Mongolie, c'est un pays de 3 millions d'habitants avec une superficie de 5 000. Nous avons également donc des ressources minérales, ce qui attire beaucoup d'étrangers, d'investisseurs étrangers. Et en 2011-2012, la Mongolie était une des économies les plus rapides, qui a grandi le plus rapidement dans le monde. Nous étions à 7%, maintenant nous sommes à 3%. Et l'économie mongole est basée sur les produits. Notre plus grand marché, c'est la Chine. La Mongolie est située entre la Chine et la Russie. Et donc nous avons une politique libérale au niveau économique. Mais cependant, il y a encore beaucoup d'intérêt de la part de l'Occident pour, par rapport à la Mongolie. À cause de sa population jeune, de son ouverture également, la Mongolie étant un pays vraiment très ouvert, et les Occidentaux peuvent donc profiter et bénéficier de la coopération avec la Mongolie. Donc merci beaucoup. Maintenant passons aux affaires internes et à la contribution de la Mongolie qui est bien plus élevée que beaucoup de personnes ne le pensent. Vous avez une relation très étroite avec les deux Corées, avec la Corée du Sud, ainsi qu'avec la Corée du Nord. Vous connaissez la situation très bien. On sait qu'il y a également des liens sous-culturels entre la Mongolie et la Corée. Vous avez également une relation très équilibrée avec la Russie et la Chine. Et vous avez joué un rôle personnel, le rôle que vous continuez à jouer.
Et vous avez également une très grande connaissance et une de très bonne relation avec l'Iran. Et ce n'est pas la fin de la liste. Donc ceci n'est pas très connu, mis à part par certains experts. Donc il serait intéressant de vous entendre parler de ces aspects donc de la politique étrangère du Mongol à laquelle vous avez énormément contribué. En ce qui concerne notre relation avec la Corée du Nord, nous avons une ambassade avec la Corée du Nord, nous avons une relation depuis très longtemps également avec la Corée du Sud. Mon gouvernement et moi-même avons lancé une initiative qui est le dialogue de Ulaanbaatar sur la sécurité. C'est un processus continu. Au mois de juin chaque année, nous avons des experts de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, de l'Europe, de la Chine, du Japon qui participent à ce dialogue où l'on discute de la situation dans notre région. Donc j'ai visité la Corée du Nord il n'y a pas longtemps et j'ai fait une présentation donc à l'université et c'était une présentation intitulée « La dictature ne perdure pas pour toujours ». Et donc c'était une expérience très intéressante pour moi et beaucoup de Coréens du Nord viennent en Mongolie. Et donc, on laisse ce canal ouvert. Maintenant, l'une des grandes questions, c'est comment donc faire face à ce problème de missiles avec la Corée du Nord. Et bien sûr, j'ai mes propres idées sur cela. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un canal dans les deux directions, dans les deux sens. La Corée du Nord souhaite avoir un accord de paix. Et je pense que l'accord de paix et le problème des missiles devraient être discutés en même temps, car le programme nucléaire coréen n'est pas ordinaire et le régime dépend de ce programme nucléaire. Sans ce programme nucléaire, ils ont peur, donc. Donc il faut bien sûr leur proposer, enfin leur offrir des opportunités pour qu'ils contribuent à l'accord de paix. La Chine également contribue au dialogue sur le programme nucléaire. Donc, il nous faut un partenaire en qui on puisse faire confiance dans mon pays. Et mon pays et moi-même donc, pourraient être ce partenaire car nous n'avons pas d'intérêt et nous avons de très bonnes relations avec le Japon, avec la Chine, avec la Russie, avec les deux Corées, avec les États-Unis. Nous avons organisé différents de réunions bilatérales entre le Japon et la Corée du Nord à Ulaanbaatar. Donc je pense que vous pouvez jouer un rôle spécial dans ce domaine et je suis prêt à contribuer à cela. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la question de la Corée du Nord. Vous avez mentionné également la Chine et la Russie. On reviendra sur cela, mais encore deux ou trois minutes sur la Corée. Vous avez mentionné, je pense que maintenant tout le monde comprend cela, que pour la Corée du Nord, d'avoir accès aux armes nucléaires, c'est une question de survie. Pourriez-vous être un peu plus précis par rapport au type de compromis qui pourrait être acceptable pour le régime de la Corée du Nord ? Pour justement les faire abandonner leur programme nucléaire et donc pour pouvoir bien sûr les réassurer par rapport à leur futur. Donc c'est une équation assez difficile à résoudre. Eh bien, moi, si j'étais le dirigeant de la Chine ou des États-Unis, j'inviterai Kim Jong-un, car il faut le faire sortir d'où il est et lui montrer quelles sont les possibilités possibles.
Now almost no engagement. Maintenant, il n'y a aucun échange pratiquement. Also, they want to talk issues. And people, et donc, most of the powers didn't listen. La Corée du Nord voulait soulever certains points que les autres puissances ne voulaient pas entendre. Tout ce que les autres puissances disaient, c'est « vous devez mettre fin à votre programme nucléaire, sinon il n'y aura pas de dialogue ». Moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur un accord de paix. Et d'autres points également. Il y a différentes dimensions et le dialogue est extrêmement important, car dans un dialogue, il n'y a ni gagnant ni perdant, et les échanges sont vraiment essentiels. Est-ce que vous avez vous-même rencontré Kim Jong-un? Pas officiellement, mais peut-être non officiellement, je ne sais pas. Donc, bien que vous avez l'air d'être mentalement sain, d'être une personne très saine. Très saine. Son père et son père, oui, disons son grand-père s'est rendu à deux reprises en Mongolie, donc nous avions des rapports historiques. En Mongolie, nous avons beaucoup d'orphelins dont nous sommes occupés, orphelins de la Corée du Nord. Donc maintenant, passons à la Russie et à la Chine. La Russie et la Chine sont nos deux principaux voisins. Et nous avons un mécanisme très important en place qu'on appelle le sommet. Il y a le président de la Mongolie, de la Chine, de la Russie, que nous rencontrons. Lors de réunions de haut niveau, jusqu'à présent, nous avons eu trois réunions et notre nouveau président va continuer ces sommets. La Russie et la Chine sont engagés et ils respectent vraiment le choix et respectent, disons, notre droit souverain. Et nous n'avons aucun différent frontalier, que ce soit avec la Russie ou avec la Chine. Et nous avons cohabité depuis des siècles. Et nous étions un empire à l'époque, et les Mongoliens ont introduit une nouvelle ordre mondiale à l'époque. C'était ce qu'on appelle le grand gouvernement. Et la Mongolie respecte les croyances religieuses. Nous étions en Perse, en Asie, en Europe à l'époque, donc l'état d'esprit, les mentalités mongoliennes sont très ouvertes, donc nous sommes très fiers, bien sûr, de notre histoire, nous sommes très fiers de notre présent, et la Mongolie est le seul établissement démocratique depuis les années 90 dans notre région. Les élections sont informatisées, nous avons adopté un système biométrique pour les élections, les résultats sont transmis sur les téléviseurs de chaque foyer, donc nous sommes vraiment une nation démocrate et nous sommes prêts à partager nos expériences. Nous ne sommes pas là pour enseigner les personnes, mais il y a des personnes de la Corée du Nord, du Myanmar, etc., qui viennent en Mongolie pour apprendre qu'il y a différentes voies et moyens de procéder si vous respectez le droit des personnes. Les personnes peuvent s'avérer créatives. Et donc, la Mongolie est vraiment très différente de la Russie et de la Chine. Et ma philosophie, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de droits pour nos personnes. C'est comme une étoile de mer. Si vous coupez les branches de l'étoile de mer, eh bien, elles repousseront automatiquement. Et donc, la Mongolie survivra grâce donc à leur esprit de créativité.
There is no censorship. Et il n'y a pas d'interdiction sur les médias. Il y a une liberté d'expression totale en Mongolie. Si vous n'avez jamais été en Mongolie et si vous êtes intéressé, cela en vaut la peine, car vous pourrez ainsi apprendre beaucoup d'expérience, tirer beaucoup d'expérience. Alors, il est très peu connu. La peine de mort a été abolie durant votre leadership, durant votre mandat en tant que président. Et bien, moi, lorsque j'étais jeune directeur auprès du ministère des Affaires étrangères, on disait que la pire capitale pour un ambassadeur, c'est Ulaanbaatar. Et il y a une personne dont vous connaissez peut-être le nom, qu'on appelait Monsieur Perruche. Monsieur Perruche était vraiment très connu car il avait été ambassadeur à Ulaanbaatar et il habitait dans un petit appartement qui faisait office d'ambassade également. Et il a trouvé qu'être l'ambassadeur au Vietnam à l'époque, alors qu'il l'a été, c'était vraiment le paradis en comparaison avec Ulaanbaatar. C'était à une époque différente, les systèmes étaient différents. Et je peux vous assurer que certains ambassadeurs français, après avoir été nommés à Ulaanbaatar, maintenant ont décidé d'habiter de façon permanente à Ulaanbaatar. Oui, bien sûr qu'il y a eu tous ces changements qui ont eu lieu après l'effondrement du régime soviétique. Monsieur Fabius, notre ami Monsieur Fabius, aime beaucoup la Mongolie. Pas seulement Monsieur Fabius. Maintenant, beaucoup de personnes commencent à découvrir la Mongolie. Alors, dites-nous quelques mots sur l'Iran maintenant. J'ai eu l'occasion de visiter l'Iran je suis devenu le seul président en exercice qui ait visité l'Iran. Pendant ma visite, j'ai rencontré Ayatollah Khamenei et lorsque j'ai serré la main à Khamenei, il m'a dit que l'Iran et moi-même, on est reconnaissant envers Mongolie. Je lui ai dit pourquoi. Et il m'a dit, vous savez, pendant la domination mongole à la Perse, la Mongolie a fondé le premier dispensaire, les premiers hôpitaux, les premières écoles. Et la Mongolie aussi a fait que le chiisme devienne dominant au niveau de l'Iran. Et j'ai visité plusieurs villes de l'Iran et j'ai constaté en fait que la Mongolie était appréciée. Et on a entamé en fait une nouvelle ère de collaboration avec l'Iran. Mais je reviens à l'accord avec l'Iran en matière donc de nucléaire. Cet accord est très important et j'espère que le président Trump ne va pas revenir sur cet accord parce que si jamais cet accord est devenu nul, ça aura des conséquences désastreuses sur la région. Si les États-Unis décident d'opter pour une autre option, je pense que les conséquences seraient dramatiques et que cela pourrait pousser l'Iran à devenir une puissance nucléaire. Il y a de fortes relations culturelles entre l'Iran et la Mongolie. J'ai visité plusieurs musées à Téhéran et j'ai vu de près plusieurs pièces archéologiques
remontant à l'ère mongole et j'étais vraiment honoré de cette visite. Mais j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que j'ai mentionné vos études au niveau de l'Union soviétique, mais vous avez essayé d'étudier au niveau de l'école calédonienne de la diplomatie. C'est une mention importante. En Iran, en fait, une dernière question, est-ce que vous avez des liens culturels entre l'Iran et la Mongolie? Oui, effectivement, nous avons ces liens culturels. Et nous travaillons en fait pour renforcer notre collaboration culturelle, pour prospecter les chantiers de coopération à ce niveau-là. Merci, je ne veux pas accaparer la parole pendant les dernières minutes qui restent, mais à l'instar de beaucoup de responsables qui ont assisté à la World Policy Conference, la Mongolie a exprimé son intérêt pour la World Policy Conference depuis longtemps. Le premier président Mbaya a participé à deux éditions avec nous. Et vous étiez son premier ministre pendant un moment. Interesting noticing because il est important de noter shows, and I have myself discovered actually the que moi-même j'ai découvert que la Mongolie s'intéresse en fait au processus de débat tel que celui de World Policy Conference. Kind of the symphony of voices. Ce forum en fait est une opportunité pour nous. Certains se demandent pourquoi la Mongolie, participe à ce World Policy Conference. En fait, c'est un forum important pour nous parce que nous venons de loin de Mongolie pour essayer d'apporter notre point de vue, notre perspective au monde. Et c'est une opportunité qui nous est offerte au niveau de ce forum et nous sommes fiers d'avoir cette opportunité. Et moi-même et mon pays sommes engagés à continuer cet intérêt pour la World Policy Conference. Merci beaucoup.